Dur, dur, dur. Non. Certainement, mais j'ai pas mon chat, donc je vais pas être content. Si je veux, j'aime pas mettre des vents à mon public. Merci. Ouf, ouais, l'intro. L'intro qui rend sourd. Mais non, mais. Outil qui me lance les internets, faut arrêter quoi. N'importe quoi. Allez, go. Sonic aussi. Ah, peut-être que je jouerai à Sonic samedi ou dimanche, je verrai. Mais il faudrait que je continue la saga Sonic. Alors, dans ma carrière, où en étais-je? Là, je suis niveau 1, là, je suis niveau 2, là, je suis niveau 3. Niveau 1 dans les courses, dis donc, je pourrais peut-être m'acheter une bagnole, non? Mais oui, j'ai de la thune maintenant. Oh, elle est belle, la tuture. Ah, plus de résistance. Ah, celle-là a une meilleure accélération. Allez. Ouais, je me fais plaisir avec ça. Ah, je peux déjà miser. Acheter amélioration. Suspension, pneu, frein, châssis. Augmenter la résistance. Oh la vache. Ça, c'est quoi? Barre de renfort anti-roulis, résistance en course. Ouais. Ouais, si je passe direct aux deux, en fait, c'est. Voilà. Ouais, je vais maigrir à donf la voiture. Pneus et freins. Oh, pneus pro. Ah, les pros, ouais, non, j'ai pas. Mais je vais faire des pneus course. Et non, je peux plus. Les pneus modifiés, mieux que les pneus route. Allez, on va se contenter de ça. Ah, alors ça, par contre, je vous ai pas encore fait de course. Vous voyez, tout est à zéro. Alors les courses, là, il faut vraiment finir premier. Il faut négliger la casse. Il n'empêche pas qu'il y a du spectacle. Hein. Bon, ah, ça va être des nouveaux circuits en plus pour vous, tant mieux. Mais attends, comment j'accélère, moi, je sais plus. Où est l'accélérateur dans la voiture? Je vais retrouver l'accélérateur. Ou pas. Attendez, c'est du délire. Oui, au clavier, d'accord. Mais habituellement, je joue à la manette. Bah, j'ai réussi à freiner, donc. Bah, recommencer course. Si seulement j'avais ma. Ma touche accélération, ça pourrait aider. Excusez-moi du peu, je suis décontenancé. J'ai rien modifié dans les options. Attendez, options manette, contrôle. Alors, je vais sauvegarder les modifs que j'ai faites, hein, c'est-à-dire sauvegarder la carrière. Mais oui, visiblement, c'est fait. Vous voyez paître la manette? Il est débile, lui. Et là, je peux déjà faire à la manette, non?
Il faut pas désespérer, je vais y arriver, on va pouvoir se lancer. Si... Ah, s'il vous plaît. Voilà, si c'est pas trop demandé. Flat out. Merci. Attends, attends, oula. On va rester zen. Je n'ai jamais vu ça. En fait, j'ai l'accélération au niveau de la marche arrière. Je. Mais j'ai rien changé. Pourquoi il m'a tout saboté, cet abruti? C'est quand même démentiel. Nanana, zone neutre, j'en ai pas besoin. Alors, accélérer. On va tout refaire, hein. Accélérer le bouton. Freiner marche arrière. Moi je veux bien la touche là. Oui bah tourner à gauche, tourner à droite. Oui voilà. Vitesse inférieure si tu veux. Hop. Supérieure ce sera celle-là. La nitro ce sera ça. Le frein à main ce sera ça. La caméra, si ça pouvait être select, ce serait bien. Réinitialiser, j'aime beaucoup que ce soit le bouton là. Liste des joueurs, j'ai envie de dire c'est accessoire, mais je sais pas, je peux faire Y. Vue arrière, je peux faire ouais, le B. Oui, voilà. Bon. Vais-je pouvoir jouer convenablement comme un chef, comme un pro? Oserais-je dire comme un dieu vivant? Peut-être. Ah! Quand même! S'il vous plaît! Dans ce mode, garder la tête de la course, c'est pas évident. À moins d'avoir une bagnole surpuissante et une bonne maîtrise, merde, j'ai déjà envie de toucher. Et avoir une bonne maîtrise de la. Une bonne connaissance du tracé. Ah! Oh merde. Oh, le capot, je crois qu'il se détache très rapidement. Un coup de volant alors que je faisais un saut, c'est tout qu'il y a pas à faire. Bon, comment ça gicle. Ça reste toujours un jeu de quilles, hein. Ça là-dessus, vous en faites pas. Oh, j'ai trop freiné. Merde. J'arrive plus à repartir. Je patine.
Oh merde, je suis avant-dernier moi du coup, avec ces années. J'avais pas fait gaffe. J'avais pas pris conscience du problème. J'essaie de rattraper le bout de tête. Je sais pas comment. Je suis encore dans l'ambiance de Far Cry 2. Ah. Voilà qui fait une course bien disputée. Et donc sur la fin, dites-vous que le dernier championnat, on a des courses comme celle-ci, mais à 300 km/h. Là on n'est qu'à 160, 170. Mais à 300, vous allez voir à quel point j'ai des chocottes. Donc à la vitesse où les jeux de qui se font, c'est incroyable. Vous, en tant que spectateur, vous allez vous régaler. Mais alors moi, je vais me faire dessus, en tant que pilote. Oh non, j'en reviens dernier avec cette faute de pilotage. Oh là là. Non, elle a essayé de m'envoyer voir le décor, la potache, avec son beau pick-up, là, la princesse. Voilà. C'est les filles qui mènent. Ce sont les filles qui mènent la danse. Bonne trajectoire, un chemin de nitro pour une bonne relance. Restons concentrés. Merde! Non! Oh, l'accident qui peut être fatal, vous avez vu? Voilà, j'ai plus le contrôle du véhicule. Je suis dernier. Bon, avant-dernier là, mais c'est cruel. Ce jeu est cruel. Non, oh, j'ai pas fait le ralenti, pardon. J'ai pas eu le réflexe du ralenti. On va continuer dans la folie furieuse. Oh là là, j'ai raccroché je sais pas quoi avec la portière et voilà le résultat. Ça a ruiné ma course. Jusqu'au bout, hein, il faut s'accrocher à son slip. Oh. Dégommer la potache. Non! On va pas passer de voie quand je suis. Ce serait pas. J'essaie de pas trop perdre la tête de la course. Mais non! Mais c'est abusé! C'est ridicule en plus. Mais non, il était axé mon saut, arrêtez la grenade. Tiens, lui j'ai bien explosé, il va falloir qu'on s'approche. Allez, on démarre. Oh.
tronche. C'est parfait, ça refait ma charge de syringe. Le nitroxyde d'azote. 218 km/h, je peux pas aller là. Sinon, faut que j'optimise ma manœuvre. Bon, vu comment je la maîtrise pas, peut-être pas. Peut-être pas le cas. Quatrième chute. Ouch. Sophia Martinez, on t'a vu. Vite. Oh oui. Non, je l'avais dépassé du dessus, c'est dégueulasse. Non, j'aurais dû lui passer par-dessus. Le ralenti va être bon. Et là, c'est marrant d'avoir pris la voiture de sport, on dirait une Lamborghini, ma manière. Je pense que, ouais, c'est inspiré par Lamborghini. J'ai presque une galère. Oh, ce spectacle. Oui, bien sûr. Oh, comment ça va le dingue. On voit que mon moteur est à l'arrière. Et moi, j'ai le coffre à l'avant. C'est donc une propulsion à l'inverse d'une traction. Ce crash, c'est n'importe quoi. Franchement, on a ridicule. Oh, joli. Comment je l'ai encastré, la malheureuse. C'était la petite Sally qui conduit le pick-up américain, si je peux le préciser. Un demi-tour devant moi, là, enfin, chez moi. Qu'il ne fasse pas du flat out, hein, qu'il défonce pas le décor. Ouch. On connaît un que j'ai stoppé net dans son élan. Ah, du coup, je sais pas si tu m'écoutes, fan. Si à l'occasion, tu peux spécifier si tu diffuses demain sur ton antenne ou pas. Moi, c'est sûr, je ne diffuserai pas. Demain, c'est tâche ménagère pour moi. Et ou promenade. Mais la promenade est mal barrée avec Mayonnaise vu l'orage annoncé. Mais bon. Je vais refaire le point avec lui tout à l'heure en fin de journée. Mais une chose est certaine, demain, je ne diffuserai pas chez moi sur Twitch. Ma question, est-ce que toi, du coup, fan, tu penses te faire n'hésite pas à faire ta pub, hein, en même temps. C'est pour ça que je t'invite à te manifester, si t'as l'occasion.
vois bien, ouais, le châssis est roux quand je tourne, là, ça doit... L'avoir désossé, ça fait couillon. Et normalement, je l'avais dépassé par le dessus, la vilaine. Regardez-moi ça. Oh, c'est scandaleux. Elle est parvenue à résister, je conteste là aussi. J'aurais dû avoir le gain de la première place. Aïe, 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 aïe. Du coup, je me retrouve symboliquement sur le podium. Que va donner la dernière course? Ah, dans le canal. Ouais, que je vois les positions des coureurs. Oh. Merde. Salopard. Ah non, j'ai un truc au niveau du bas de caisse, je peux plus accélérer. Les salopards, comment ils m'ont éliminé? Aïe, j'ai encore roulé sur un objet. Alors, c'est beaucoup plus redoutable. Dans les voitures qui sont basses, au ras du sol pour la course, c'est encore plus redoutable que de rouler sur un débris. Ça peut donner lieu à des accidents vraiment spectaculaires. Ou à des scènes plus ou moins cocasses. Oh, je suis tombé, mais alors comment tu calmes? Comment il a défoncé les poteaux juste devant moi, c'était impressionnant. Oh, je pensais pas percuter le palmier. C'est horrible. Oula, comment j'ai dénommé la place. Je croyais que je pouvais bêtement dégommer le truc, mais je me suis... j'ai mal lu. J'avais pas vu que c'était un pilier porteur. Mais... Alors là, pour ce genre d'erreur, je mériterais de perdre la course. Oh, j'ai rencontré un chariot de course. Voilà, c'est vraiment une erreur de lecture du tracé qui est plutôt longue. Je rêve ou le panneau est en lévitation? Ben là c'est à peine mieux, encore que l'aéroport sur une base, mais... Merde, pourquoi la physique du jeu est un peu bizarre? Oui, tu que je reprenne mon élan. Ouh, vache. Ah, c'est Sophia qui m'a dans désormais dans la course. Ou Jack en deux. Ah, on va se battre en duel. J'arrive trop vite. Voilà, ça va. Là, j'ai bien freiné. J'ai sauvé la mise.
Il est vrai que cette portion-là de circuit, j'ai du mal à lire où est la piste. Aïe. Je la sentais pas, je la sentais pas. Voilà le résultat. Non! Oh non! Comment s'encastrer, mais d'une manière plus stupide. Et là, je suis mon dernier, c'est foutu. Oh bah alors! C'est avant-dernier. Bon, j'aurais sauvé l'honneur. J'aurais sauvé l'honneur. Ah, c'est pas ça qui fait. C'est dur. Là, franchement, les courses, elles sont dures. La caméra trop éloignée, j'ai pas vu ce qui, quel objet c'était dissimulé sous mes roues. Tant pis, ça restera mystère. Oh, l'autre, comment qu'il m'a expédié des tuyaux dans la tronche? Ah, on voit que la bagnole rouge est inspirée de la Renault Sport, là, la... Merde, je sais plus le nom du modèle. Aïe, aïe, aïe. Mais je suis même pas me poser la question si dans le dernier tour j'ai pas arraché le train de pneus. Parce que j'étais pas sur trois roues là quand je me suis encastré dernièrement avant l'arrivée. Parce que j'avais quand même sérieusement endommagé le véhicule, bien que j'avais fait le nécessaire pour justement renforcer le châssis. Je les avais vus dans mon achat d'amélioration dans les pièces détachées. Mais ça part vite en charpie. Je me suis fait avoir par le... Pourtant je l'avais esquivé, mais je sais pas, c'est l'arrière qui a touché. J'ai l'arrière de la voiture qui a chassé et ça m'a été fatal. Belle la vue juste derrière avec les flammes. Mais alors là j'étais imbécile au possible. Voilà, j'ai envie de dire que c'est sur cette erreur là que j'ai perdu ma course parce que c'était débilous. Et à l'entame du dernier tour, vers la fin, je me demande si je ne suis pas arraché le train de pneus. Le virage où j'ai fini en casté dans la rambarde de sécurité là. Je pense y avoir laissé une roue. On va aller jeter un coup d'œil avec la caméra extérieure. Où est la vache? Avec le panneau publicitaire en lévitation. Ah oui, très mauvaise exception. J'ai un pneu crevé. On voit que j'ai le pneu avant moi qui crevé. Et là, c'est pas là où. Ah non, j'ai bien mes 4 roues. Ah, avant-dernier tour que c'était. Et là, on entame le dernier.
Mea culpa. Mea culpa, je crois que c'était déjà fini maintenant. Là, j'ai bien freiné. J'ai freiné à donf, sinon je partais, je faisais ce qu'on appelle un tout droit. En automobile, je pense que j'avais projeté bêtement dans le décor. Oh là 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 là, le merdier. Ouais, là. En plus, ma bagnole commençait à fumer sévère. Et là, je crois qu'il manque la roue avant droite. Ah non. Non, non, j'ai bien mes quatre roues. Bon. C'est bien, au moins j'engendre des sous-sous. Je vais pouvoir améliorer mon véhicule. Ah, j'ai chu à 5e place sur les 8. Je me serais défendu. Ouais, ouais, je me serais défendu. Alors, amélioration du véhicule. Attends, j'aimerais avoir une meilleure accélération. Embrayage accélérateur meilleur. Ouais, je prends. J'ai une suspension. Les suspensions, ouais, c'est vrai qu'elle était un peu mollassonne la tuture. Oh, 8000 pour des suspensions pro. Waouh, vous êtes fous. Waouh, waouh, ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher. Échappement, il y a quoi? Oh là 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 là, le prix du luxe. Collecteur course. Allez, je vais pétarader davantage. Pneu, frein. Non, c'est hors de prix. Oh là 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 là. Mais ce qui nous empêche pas de courir à nouveau. Voilà, je vais en tenter une autre. Alors attends, là il y en avait 3. Là il y en avait 3 et là il y en avait 5. Allez, on va se lancer dans les 5. Je suis fou. Je l'ai fait même pas dans l'ordre. Bon alors, tu démarres toi. On voit que j'ai une meilleure accélération là. Voilà qui va bien m'arranger. Magnifique, c'est n'importe quoi. Ça commence très fort. Puis l'autre qui passe par les vitrines, bien sûr. Oula, il y en a qui sont un peu explosés. Ouais, j'ai le gros de la chicane. Pas habitué à ce virage. Plutôt. Il y a des bruits qui perturbent ma trajectoire de course. Elle s'est barrée alors que théoriquement elle n'est pas censée avoir vraiment une plus grande puissance moteur que moi. Oh merde, j'ai perdu le contrôle du véhicule. Oula, il y a eu des morts. J'ai entendu un de ses gémissements. Alors le fait de redresser, de gérer la direction de mon bolide, c'est vraiment pas facile. Thank you.
rattraper l'intérieur du virage un peu trop rapidement. Que je touche le sol là. Non, ça va pas le faire. Oula. Sur la piste, sur la tronche, j'ai l'impression de suivre. Salopard. Non, je suis passé au-dessus. Oh, cet idiot, il m'a tellement bien plaqué dans le décor que je suis passé au-dessus. Grâce au muret. J'avais même pas que c'était possible. Vous l'avez fait. C'est fou. Oh, joli! Troisième avec ça, bah dis donc. Alors là, on a révisé le mur invisible avec la, le carton qui a giclé, mais alors de manière surréaliste dans le ciel. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Comment ma bagnole a failli basculer sur le côté. Ah oui! Comment qu'elle s'est explosée là, la malheureuse! Il n'est de là le gémissement que j'avais entendu. Oh! Je pouvais pas repartir. Je le soupçonnais, j'étais pas certain. On s'est empilé. Je peux
l'avouer. J'ai du joli. Ah oui, comment je suis passé au-dessus. Hein, c'est rigolo, hein. Le spectacle est assuré également dans ce championnat-là. Non, mais l'autre, il essaie de me plaquer pour m'exploser et finalement, il m'aide à monter sur le muret. Et du coup, je suis passé par au-dessus. C'est bon, les aléas de la course. Alors là, j'ai vidé plein de trous que j'avais. Voilà, je me propose ça comme une fusée. C'est une arrivée tonitruante, je peux l'avouer fièrement. Ah, bien, 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 bien. Je suis troisième. On continue. Zou. Ouh, quasiment de nuit. Au clair de lune. Message de Funfarm 1992. Tony est un tueur. Tony est un tueur. On parle pas. Il y a même certains tueurs dans ce championnat. On peut abonner, ce sont des trous du coup. Non, vilaine. C'était sûr! Tu parles! En carambolage bloqué à la sortie d'un virage, il ne peut se produire que ça. Ouch! Je sens que mon véhicule va pas boucler la course. Parce que si je démarre à faire du carambolage alors que je suis dans un bolide de vitesse, ça va mal se finir. Ah, le centre commercial. Ou la galerie marchande, c'est pas bien. Oula, 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 oula. Je ne comprends plus la trajectoire. Venirez-moi sur le canapé. Merde. Ah. Oh. Comment qu'il va rouler dessus? Viens par ici, toi. On a un compte à régler. Entre nous. Oh my god, bah oui, c'est très très violent. Vilaine là, dans la voiture rouge, Katie, va mourir. Va mourir, Vilaine. Non, fallait pas mourir dessus. Oh, t'es morte. Bien fait pour ta gueule. Voilà, vengeance est faite. Trop de bruit là, j'arrive même plus à accélérer. Oh. Bidou. J'arrive pas à maintenir la trajectoire de mon véhicule. C'est horrible. Da da di di do, da di di do. Ah, Franck. Oh, c'est lui aussi. Ouh, y'a des morts. Faut que je fasse gaffe, quoi, il reste un tour. Ah bon, le tour le plus rapide en 1h30 et des mouettes. Ah ouais. Pourtant, je suis pas premier. Ah oui, les trois précédents sont brisés, ils ont été éliminés.
Merde. J'ai mal géré le virage. J'ai mal négocié. Oula, oula. Contrôlons le dérapage. Attends, il y a des feux de circulation, mais ça me fait plus de... Serré. Oh, je vais faire magnifique intérieur, intérieur, extérieur. Comme un vrai pilote. Je suis fier de moi. Yeah. Oula. Pas trop accéléré. Pas trop accéléré. Oh, il a pas aimé que je fasse une petite chinette, on va dire ça comme ça. Et je vous irai bousculer, monsieur Jason. Oh. Oh. J'en ai eu le souffle coupé. Ah, alors que Sofia Martinez s'apprête à remporter la course. Ouch. Oh, une 26-40. J'ai amélioré mon temps autour de 5 secondes. Waouh, génial. Le ralenti va être beau. Hein. Eh ben, je suis content d'avoir rallié l'arrivée. Parce qu'au début, c'était pas gagné. Vu la violence du premier tour. Oh là 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 là, comment qu'on a démonté au premier tour le tracé. Je pense pas que ce soit aussi violent en général. Et là on a été très bien. Bah explosion en plus. Oh, les lampadaires derrière qui tombent comme des. Comme des papas dans des rochers. Je ne sais pas comment décrire ce que je vois. Oh les canapés. L'intérieur de la vieille marchande. Alors ça c'est ballot. Comment je suis mort. Oh la vilaine. Puis vous avez vu comment son véhicule a été déstabilisé en me roulant dessus. C'est abominable. Et regardez ma vengeance. La vilaine fille dans la voiture rouge là. Hein. Oh, vengeance. Comment qu'elle est morte? J'avais pas vu, il y avait une bagnole en stationnement derrière, vous l'avez vu en toupie, elle était sur le toit. Et une bagnole en stationnement qui a trouvé le moyen de se faire retourner comme une crêpe. Ça aussi il faut le faire. Thank you.
distributeur de journaux que j'ai dégagé ou était-ce un distributeur de bubblegum de pâte à mâcher en mie? Ouais, c'était peut-être un présentoir à friandise. Joli. Je suis content, je vous assure bien le spectacle. Ah. Et puis je me fais des sous-sous. Là j'ai la totale. Ah ouais, c'est bien, c'est cool. Je suis deuxième du championnat, on va faire la troisième course sur les cinq. Ah là là. Ouais, je pense que je suis le championnat là, les trois courses, et puis je pense que je vous laisserai. J'ai presque tenté de faire un peu de spelunkia, je sais pas. Je vais vraiment me laisser du temps pour faire le ménage ce soir chez moi. Merde. Ah oui, c'est un tracé super rapide. Alors oui, ce tracé-là, il est nouveau pour vous et il est vertigineux, croyez-moi. Là encore, les voitures vont pas très vite. Alors qu'on va pouvoir monter à 300 km/h, celui-là, je crois qu'il dépote. Il est enivrant au niveau de la sensation de vitesse. Bon, mais comment il a pris le... Oh là 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 là, le cadin! Il a merdé sa réception, celui qui m'a dépassé. J'en ai été troublé, vous voyez. Ah! Mais non, bah moi aussi je prends un tonneau. Bon, je vais rester sur la piste, moi, ou crotte. C'est pas comme ça que je vais remporter la course. Déjà qu'il y a pas mal de débris. Hein. Oula, 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 je dérape, mais pas de manière contrôlée. Ça va mal se finir. Wow, faut que je m'accroche, faut que je m'accroche, faut que je m'accroche. Ah, je sais pas quoi, mais faut que je m'accroche. Oulalalalalalalala. Ça aurait pu être pire, ça aurait pu être pire. C'est pire, c'est pire. Non ! Pas à contre-sens, je vais me faire pulvériser. C'est bien, je suis dans mon cinquième rapport. Merde! Je l'ai vu venir. Je l'ai vu, bien sûr. Je sais par les franchères. Je l'ai venu, voilà. Non, non, mais je fais trop chasser l'arrière de ma voiture et comme il y a le moteur à l'arrière, ben. Il y a tout son poids et voilà le résultat. Mais j'arriverai un jour à faire ce tremplin proprement. Un jour, non? Parce que là, ma course est une catastrophe. On tente de dépasser lui. Oh, je suis 6ème sur 8. Oh, la catastrophe. Et on tourne presque en rond. Dans le tracé là.
C'est pas Lucky, j'en ferai peut-être un petit peu samedi, mais. Plus j'y réfléchis, plus je me dis que. Je pars pessimiste si je me lance maintenant dans Spell Lucky, ne serait-ce qu'atteindre la jungle. Je sais pas pourquoi, hein. C'est qu'un pressenti, mais j'y crois pas. Wall of Captain. Là j'ai complètement merdé la sortie de la ligne droite. Même le petit tremplin là, la voiture est tellement bas de caisse au ras du sol que la réception elle est catastrophique. Il faut que j'investisse dans de meilleurs amortisseurs, sans quoi la réception de cascade c'est vraiment aléatoire. J'ai pas vu sur le bas-côté, c'était de l'eau ou c'était... Non, c'était une étendue d'eau. J'avais l'impression qu'il y avait un panneau publicitaire qui flottait. Pas bon du tout. La voiture, il en reste pas grand chose. Bah, tour après tour, on la désosse, vraiment. Je pense très honnêtement qu'on peut faire pire parce que. Au moment où, tu vois, où la bagnole s'apprête à lâcher, elle commence à fumer. Elle commence à fumer blanc, comme dans Far Cry 2 d'ailleurs. Elle commence à fumer blanc, ensuite elle fume noir, et quand elle est en flamme, elle est morte. Donc moi, j'arrive encore à peu près à préserver mon bolide. Parce que j'ai pas eu tant de collisions que ça. J'ai plus un problème de maîtrise du véhicule qu'autre chose. Regarde, ça, j'arrive jamais à me réceptionner. À chaque fois, je me plante, littéralement, dans le décor. Je suis pas fichu de rester droit dans ma trajectoire. Elle rebondit comme une balle en caoutchouc de manière aléatoire, donc comment veux-tu que je m'en sorte? Allez. Mais ouais, elle est. On peut dire qu'on procède presque à la déconstruction sur route des bolides. Voilà, là je suis au pied du podium là dans le championnat, je me fais déloger. Alors qu'on arrive à l'avant-dernière course qui se passe dans les bois, ça va être rural ici. C'est bien, on fait un échantillon assez varié de tracés. Allez, bouge tes fesses, monsieur Ray Carter. C'est pas tout d'avoir une jolie coupe afro, mais il faut peut-être savoir un peu ce championnat. Oh, oh la bagnole, comment qu'elle a giclé. Ouais, elle tourne mal. Non, pas le capot, je vois plus rien. Au secours. Oh non, bah non, le capot c'est une catastrophe. Oh là là, je suis dans un état. Allez, c'est parti, c'est déjà un jeu de quilles.
oula, 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 je sais pas qui j'ai survolé, mais c'était pas rassurant. Alors qu'on est qu'à deux tours sur les trois. Et ben, il y a... Merde. Alors là, je m'en casse le pro. Hop, 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 pas une idée de tout. Wow. Ah non, mais redresser la tuture, c'est un cauchemar. Allez, dernier tour. J'essaie de rester quatrième, si je peux. Cette salopard là. Hein? Tiens. Ha ha! Oh oh oh! On a tiré des droits. Oh les traces de plume. Pour confirmer la trajectoire de la voiture. Bon, je suis en sortie de virage. J'arrive à casser l'inertie avec une vitesse. C'est bon à savoir. Non, je vais être quatrième. Ah, je me serais battu jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Sachant qu'il reste une course, il faudra un miracle que j'arrive à revendiquer en fin de championnat un podium. Ce qui serait classe, parce que ça me rapporterait des points, enfin surtout des sous-sous, pour optimiser la... Oh, comment qu'elle a giclé. Enfin bref. Ah ouais, non mais là j'étais pas prêt de repartir. Et ça, c'était le souci d'avoir le capot qui s'est levé sur le pare-brise. Avec les rochers en polystyrène. N'importe quoi. C'est rare quand la partie supérieure s'effondre. C'est rare, vraiment. Là, une fois, je me souviens qu'il y avait un projectile, un débris qui avait été balancé et ça avait fait strike comme au bowling, quoi. Ça avait tout dégommé. Et là, ça valait le coup d'œil parce que ça, voilà, jeu de quilles. Hein. Mais là, j'ai été surpris qu'il y ait une partie qui s'en détache.
Généralement, ça reste inerte, on va dire 3 quarts, enfin, 3 courses sur 4. J'en suis le premier surpris. Ça va être l'entame du dernier tour, normalement, si je dis pas de bêtises. Ah, ne pas oublier que je suis ma chaîne Deadger après ma déconnexion. Je vois ma promesse. J'ai gentil de me faire un coucou tout à l'heure à la sortie de Far Cry 2. Suivre la chaîne Deadger. Bien essayé, mais ça n'aura pas suffi. Donc, dernière course. Un maigre récolte. Hein. Le tracé là ne m'a pas réussi. Ouais, je suis au pied du podium avec un... Oh là là, Sofia Martinez qui remporte à chaque fois. Incroyable. C'est son championnat à la Miss. Elle s'apprête à faire un sans faute. J'hallucine. Ouais. Faudrait que je la remporte celle-là pour être certain d'être sur le podium du championnat. La question c'est comment faire. Allez, dérape. C'est tellement drôle quand tu dérapes. Ah! Merci. Libère-moi. Libère-moi. Je suis encastré comme des chagouins. C'est pas bien. Ferme ta portière, à moins que tu veuilles un nouveau passager. Un passager que même des stères. Ah, puis dans la pénombre de la pierre de lune, c'est pas une... C'est après que j'aurai fait usage de la... Oh oh. La jolie lune. Fly me to the moon. Oh merde. Waouh, comment j'ai fait basculer ma bagnole, moi. Il a embarqué quoi avec cette future, lui? Il avait au moins une palette, peut-être une cocotte de travaux. N'importe quoi, je ne sais plus ce que je vois. Oh, cette poussette. C'est scandaleux. Oh non, alors c'est là où la physique du jeu est quand même moche. Nous avons eu un morceau d'échafaudage en lévitation. Ça, quand même, c'est bouillon. Pas assez de puissance de calcul pour lui faire comprendre qu'il doit tomber parce qu'il ne repose sur rien. Attends, c'est la mi-course, deuxième tour sur les quatre là. Est-ce que nous sommes rentrés pour la génération? Non, trop de débris dans les stands. Merde. Non, il me dépasse. Je ne l'accepte pas. Toujours avec échafaudage en levitation. Levitation. Oh, comment je t'emboutis, toi? Non, pas les pompiers. Jeunes et ces femmes ont beaucoup de mérite à appartenir au corps sur le bateau-feu.
Mais ici, nous ne sommes d'aucun remède. On va pas encore. La culture n'est pas encore à feu. And set your world on fire. Oh, allez, Kitty. Petit dérapage incontrôlé de ta culture, Kitty. Laisse-moi ta troisième place. Ouais, voilà, là j'ai maîtrisé mon saut. Je m'en fous cet échafaudage de méditation. Je m'en fous. Heureusement que c'est le dernier tour. Ah, allez, un podium, on le prend avec toi. Jusqu'au bout, on s'accroche. On s'accroche à tout ce que l'on peut. J'anticipe la trajectoire du virage. Non, pas de ligne, non. J'aurais pu être premier, j'aurais pu. J'ai essayé de faire l'intérieur du virage, mais j'y suis pas parvenu. Par contre, j'ai pulvérisé l'encore autour. Ça, on me le volera pas. Sous les 55 secondes. La classe. Ah, ah, ah. Donc... on est d'accord que c'est pas Katie qui a remporté la course. Elle qui était partie pour faire un sans faute. Ça rebat les cartes et ça relance le championnat pour cette dernière course. Je pense sincèrement pouvoir prétendre à être sur le podium final de ces 5 courses championnat. L'autre avec sa portière. Comment j'ai coupé hors du tracé, le truc qui se fait pas. J'étais dans le sable. Oh. Ouais, non, là j'aurais dû freiner, honnêtement. J'ai fait n'importe quoi. Ah oui, comment j'ai fait basculer mon véhicule. Alors j'ai fait un peu trop l'intérieur du virage, mais de là à rouler sur un débris qui m'a fait basculer comme ça, j'ai flippé parce que j'aurais pu me retourner sur le toit. La situation aurait été catastrophique pour moi, ça m'aurait cassé dans mon élan. Bon, là, un accrochage, tout ce qu'il y a de plus classique, surtout à la sortie d'un tremplin. Chez le bazar, chez le boxon, chez le bordel. L'avantage de ce point de caméra de course, c'est qu'on voit plus l'échafaudage en lévitation. Là, la course retrouve de son réalisme. Oh non, comment la citerne s'est retrouvée embarquée.
pas mal. Là, je trouve que j'ai bien épousé les trajectoires du circuit. J'ai roulé comme un chef. Ça fait propre, ça fait classe. On pourrait presque d'ailleurs effacer les débris. Ça fait vraie course pour le coup. Je fais bien mes extérieurs, intérieurs, extérieurs, le virage, nickel. Ça y est, c'était le dernier tour. Ah, le résultat tant attendu. Bon, ça c'est pour la course. Ah, j'en suis déjà 15 000. Ah, 16 000. Pour le tour le plus rapide. Eh oui. Ah, et ben résultat serré. Voilà, Sofia Martinez qui s'est fait dégommer sur la fin. Elle remporte évidemment le championnat, mais elle n'a pas la perfection. Elle n'a pas la perfection. Et moi, je suis troisième avec 30 points. Oh, le Jack Benton, il doit avoir la rage. Ah, ah, ah. Ah, pour une première participation, ça fait plaisir. Franchement, oh, le Speedway Left. Eh ben, en petit bonus, on va se faire un petit événement cascade. Allez, pour clôturer la session de jeu. Alors, on avait le fameux saut, on avait le bowling où j'étais surexcité. On a le saut à ski, on a le curling. J'ai tout déverrouillé? Non. Ah ouais. Oh, ça m'étonne. Ça m'étonne. Eh ben dis donc. Oh, j'ai envie d'essayer le curling. Didacticiel. Alors, projetez vos trois avatars au plus près du centre de la cible pour marquer un max de points. Marqueurs peuvent pousser ce qui change les points marqués. Ah oui, la descente à la slalom façon bobsleigh, c'est troublant. Ouais, alors c'est... Appuyez longuement sur la commande de lancer pour bloquer l'angle et tirer. Je sais pas comment on fait. Ah oui, non, c'est comme ça. Ok, c'est la gâchette là. Eh, pas mal. En vol, utilisez commande d'acrobatie pour manœuvrer l'avatar, donc le Gugus. Les manœuvres réduisent la vitesse, appuyez, commande lancer pour avoir un peu de hauteur. D'accord. Eh, joli. Je suis quasiment au centre là, excusez-moi, 97%. Ça c'est bien. Je dis oui. Ah. Un petit peu de curling. C'est du vroom vroom curling. C'est une nouvelle discipline. Oh, trop, trop, trop. Non, j'ai merdé là. Ah, trop, trop loin. Reviens. Allez, j'ai pris shot avec le saut. J'ai fait un joker saut. Je suis dans le bleu, cercle bleu, ça va. 77%. C'est correct. Ah, puis l'élan qui tombe, vous avez vu, dans le sens horaire. C'est rigolo. Ouais, je suis pas le meilleur. Mais je suis pas le pire non plus. Bonjour Tomouf. Oh, t'arrives sur la fin, mon pauvre. Je m'apprête à rendre l'antenne. J'espère que tu vas bien. Je suis allé beaucoup trop loin. J'ai merdé mon tir là. Merde. Alors au tuto, l'idée d'être à 20 degrés était franchement bon. Ah bah oui, je vais finir dernier là. Je suis à un point d'être dernier. Ouais, ça va. Bon, moi ça va bien, merci Tomou. Je suis encore 10 petites minutes parce que tu viens d'arriver, Tomo. Oh non, je me lance mal. Oh là là, j'ai fait neuf. Il sort même de la piste. Ah, il est hors de l'écran. Oh non, je vais finir avec un 0 pointé. Ouais. Bah oui, je suis dernier là.
Oui, je veux tout réessayer. Je veux mes 3 essais, s'il vous plaît. Alors, là, mon objectif, c'est de ne pas finir dernier après 3 essais. Je peux le faire. J'arrive trop vite. Il y a trop de puissance avec le véhicule là. Non, reviens. J'essaie de le ramener. Oh, 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 oh. Dur. Ah, bah d'accord. Il y a un concurrent qui s'est loupé et qui a fait 0 points. Pas malin ça. Oh, ça va mal se finir. Ah, finalement, le fait d'avoir pas été trop rapide va peut-être m'aider. Presque. Très bouillon. Honnêtement, très très bouillon. Elle est loin l'époque où j'arrivais à tout mettre au centre. Hein. Ah! Non! Je veux pas être humilié. Je veux pas finir dernier. Pitius. Pitius, pitié. Oui! Oui! Bouge plus! Ah! Là, je me rattrape. Là, je me rattrape. Dis-moi que je suis pas dernier. Dis-moi que je suis pas dernier. C'est quoi les résultats? Non! C'est méchant! En l'autre, Katie, elle fait un 0, puis après, elle vous fait un 100%. Elle a fini parfaitement au centre de la cible. C'est dégueulasse. Moi, je dis c'est dégueulasse. Allez, c'est reparti pour 3 essais. Oh non, c'est honteux. Remboursé. C'est une escroquerie. J'en reviens pas. Katie qui fait de la mouise, et puis après, qui fait la perfection. Trop vite, trop vite, trop vite, trop vite, trop vite. Oh là 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 là, je suis hors piste. Bon, bah ça commence mal. Non ! Non ! Eh, c'est quasiment éliminatoire hein, de faire ces points. C'est quasiment éliminatoire. Non, je suis pas dans l'axe, je suis pas dans l'axe. Je suis... Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait ? Oh, oh, c'est horriblement brouillon. Oh, oh, oh. Oh, j'ai honte, j'ai honte. Je n'irai bien par y parvenir, Crotum. Il faut que mon acharnement paie. Alors, faut plus accélérer quand on est dans la partie rouge. Encore, ça me semble lointain. Trop. Reviens! Reviens devant! Voilà! Reviens au centre! Aïe 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 aïe. Mais pardon. Je l'aurai un jour, je l'aurai. Le pire, c'est qu'au fur et à mesure que je refais des essais, vous voyez que je fais de pire en pire. Donc ça craint. J'ai ma chance de débutant qui s'est envolée. Ah! Est bonne. Correct. J'ai embarqué la lumière. Ça reste toutefois très brouillon. Non, je suis oulala. Allez, oui, c'est beaucoup mieux. On y croit. Je ne suis pas dernier. Et Célie fait vraiment de la mouise. Donc ça me rassure un peu. Je vais pouvoir m'en tirer avec un minimum d'honneur de cette discipline. Que, vous l'aurez compris, je ne maîtrise absolument pas. Hey! Ah oui, est-ce qu'on peut redégommer les... Ça requalifie le score de dégommer ces anciens trucs, comme au curling, normalement.
Eh, c'est là où je vais me propulser premier. Attendez. Oui. Effectivement. En fait, c'est le dernier tir qui qualifie tout le reste. J'ai failli finir premier. Ouah, la remontada, pourrait-on dire. Non, mais c'est n'importe quoi. Mais c'est vrai que c'est les règles du curling, hein, en fait. Énorme, ce dernier saut. Excellent, ce que j'ai fait. Oh là là. Trop fort, trop trop fort. Ah bah je suis content, je suis ni avant-dernier de l'épreuve du coup. Ah bah vous pensez bien que je vais vous quitter sur ce succès. Magnifique, mon honneur est sauf. Voodoo. Puis les scores sont serrés au milieu du tableau. Oh lolo lolo. Ça lui va bien, c'est Littelor, elle finit avec un 69. C'est pas moi, c'est le jeu qui est salace. Eh ben dis donc. Eh ben c'est bien. Allez. En tout cas, j'espère que vous aussi. Tomouf, tu me dis... Alors attends, je vais vous mettre ma frimousse et puis je vais vous lire dans le chat. Donc déjà, merci pour les clips, merci pour la modération, hein, Funfan, Torota. Merci à vous d'avoir été là, les garçons. Attends, je suis juste chatting. On se retrouve pour ma part samedi matin. Samedi matin, je continue le Starbound avec Petit Seb. Possiblement qu'on partira à la conquête d'un autre boss. Je sais pas, je verrai comment Petit Seb le sent. Ou alors on se regardera pour la semaine suivante. À voir. Mais je vous donne rendez-vous samedi matin pour la suite de mes aventures en ligne sur Twitch. Tu me disais, Tomouf, il y a moyen que le personnage prenne le palais. Ah, j'ai ma réponse. Ah oui, merci pour le clip. Eh ouais, j'ai fait la démonstration de comment qu'on fait au curling. Ça y est, je peux me la jouer, je peux me la péter. Bon, bah merci à vous d'être là. J'arrête maintenant parce que j'ai des tâches ménagères qui m'attendent. J'ai du frotti-frottara. Je vais jouer avec des gants et des éponges là. J'ai un évier à laver. Enfin bref, je vais pas vous dire, c'est pas passionnant, mais. Tâche ménagère oblige. Bref, prenez soin de vous. Moi, demain, vous ne me verrez pas en ligne. Alors, peut-être, sauf si vous diffusez, peut-être que je passerai vous faire un coucou, c'est pas impossible. Puisque, normalement, j'aurais dû faire le tournage d'une promenade avec Nayonet, mais vu qu'ils annoncent de la flotte et des orages sur Nancy, on va reporter ça la semaine prochaine, à mon humble avis. C'est mal barré. Allez, je vous dirais que l'Alsace vous sourit. On va faire un relais de chaîne à cadeau Anthony. Ah, c'est vrai que je le mets pas assez souvent en lumière. Où est-ce qu'il est, cadeau Anthony? Où est-ce qu'il est? Il fait du Rayman Origins. On va aller lui faire un petit coucou. Donc moi, je me retrouve samedi matin avec Petit Seb dans l'espace. Ah, j'ai pas eu le temps. Oh, il est beau son niveau. Ah, c'est joli comme tout. J'ai pas eu le temps. Voilà, vous pouvez déjà entendre Anthony qui est concentré sur un boss dans Rayman. Là, le jeu a été gentil parce que pour moi, je l'ai loupé. Hein. Prenez soin de vous, merci à vous d'avoir été là. Donc, je vais couper l'enregistrement sous peu. Je sais plus trop ce qu'il fait là. Enfin, ce qu'elle fait, ça a l'air d'être une dame et elle fait. Ah, suivre Edge, suivre la chaîne d'Edge. Il faut que je m'exécute aussi. Hop. Tiens, je vais tu peux, tout tu suite. Peux, Tiflor. Tout le monde sait que tu stream, tu peux tout à fait répondre, Tiflor. Mince, comment je peux faire la recherche de... Ah, ça c'est encore un truc qui est mal foutu. Edge Club 06. Ouais. Ah bah voilà, je vais pouvoir le suivre. Nickel. Bon, c'est fait pour Edge, je suis content. Ah oui, et elle trempe son bras, ça je me souviens. Que se passe-t-il? Ah, c'était là-bas.
C'est sur son bras gauche. C'est le sage. Merci le sage pour le raid. Comment tu vas? La forme. Rush pas les yeux. Non, non, il faut pas. Il faut que je... Bah, que je prenne mon temps, en fait. Hein. Il faut juste que je sache où apparaissent le petit truc rose, là, genre de gélatine. Et une fois qu'on sait ça, on est bon. Salut le sage. Ça bosse? Oh, ça bosse. Ouais, on peut le dire ça, ouais, effectivement. Comment tu vas, le sage? Merci beaucoup pour le raid. Attendez, il faut que je fasse les SO. On a eu deux raids, là. Qu'est-ce que c'est que... C'est que ces histoires, désolé pour le son. Elle nous chante des trucs bizarres. Bah, relais de chaîne, parce que... Nous avons... Et le deuxième. Envie. C'est, vous êtes venu à la chaîne. De faire le plein de... Shootout, tac. D'Alsace. On a le sage. Voilà. Bonjour madame. Vous devez attendre 2 minutes. Bonjour Amand. Prochaine dédicace Antoine, dans 2 minutes, le sage. Bonjour Tantoine. Oui, chaîne parce que nous avons envie de faire le plein d'Alsace. Et oui, c'est pas un quiz Alsace ce soir, mais un jour on fera.